Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Let's Play sur la chaîne, le Let's Play qui vient donc remplacer Cameo Elements of Power. On se retrouve du coup sur Island of Wakfu. Donc ce jeu également date un petit peu 2011 environ, donc c'est un jeu fait par Ankama, comme on le connaît si bien sur la chaîne. Et c'est un jeu que j'ai toujours rêvé de découvrir, et on va le découvrir tous ensemble. Je ne sais pas la durée du jeu, je ne sais pas s'il va être long, s'il va être court, ou s'il va y avoir du coup quelque chose de particulier. Ça va être la découverte. Donc on va faire en initié. Donc nouvelle partie en normal. On est parti. Alors, on commence du coup le niveau. Mes enfants, l'heure est venue. Je peux le sentir, cette vague en moi qui emporte tout. Les cieux s'illuminent sur ce moment de vérité. La dernière initiation doit commencer. Réveillez-vous, mes enfants. Il est temps de passer le cercle de feu. Et nous jouons donc, pour ceux qui connaissent, Nora. Donc Nora qui est la seule héliatrope qu'on ne connaît pas grand-chose à son sujet malheureusement. Mais du coup, hop, on va commencer à avancer dans le jeu. On va peut-être parler un peu tout le monde. Alors Nora, tu as appris à te téléporter. Votre initiation est prématurée. Vous n'êtes pas prêt, c'est évident. Et où est Maître Kilby? Il ne devrait pas vous entraîner? Ah, Kilby. L'oracle a parlé. Les signes ont empli les cieux. Pour cette occasion, les lèvres scellées... Oui, les lèvres scellées du sanctuaire se sont ouvertes. Nous n'avons plus de temps. La déesse a besoin de vous. Suivez-moi à l'intérieur du temple. J'aimerais vous présenter quelqu'un. Elle peut pas se déplacer comme tout le monde. Elle est obligée de se téléporter alors qu'elle est juste derrière elle, quoi. Pour la première fois, vous avez été autorisé à pénétrer dans le cœur du sanctuaire. Vous allez maintenant recevoir votre Elia Cube façonné à partir de la fontaine du Wakfu. Chérissez-le, car ses connaissances sont inestimables. Il vous sera d'une grande aide. Salut, comment ça va les petits clous? Je suis un Elia Cube né de cette fontaine. Je peux stocker les informations et vous aider à améliorer vos pouvoirs et votre santé. Je peux même suivre le progrès de votre initiation. Classe, non? En cas de besoin, faites-moi signe. Bonne chance, les petits. Donc, ok, on a notre Elia Cube. J'aimerais pouvoir vous expliquer la raison de la précipitation de votre initiation. Je vous expliquerai tout une fois que vous aurez passé le premier voile. Maintenant, dépêchez-vous d'aller à Wakiwa pour l'épreuve de Wakfeng. Trouve Wakiwa, ok. Où est ce fameux Wakiwa? C'est la question. Nous ne nous attendions pas à une initiation si tôt. Pourquoi tant de hâte? C'est difficile de vous voir partir, mais l'oiseau doit quitter son nid.
Nous serons toujours là pour vous, vous le savez. Nous sommes vraiment fiers de vous, les enfants. Votre relation avec la déesse est unique, c'est un don. Elle vous fait confiance, elle a besoin de vous. Faut trouver par où on doit aller, en fait. Balthazar veut vous parler avant votre départ pour Wakiwa. Son bosquet est juste derrière vous. Ah ben d'accord, mais tape-moi, je te dirai rien. Nora, attends. Mais où est ton frère? Balthazar doit parler aux deux jumeaux. Écoutez bien, vous êtes deux. Un plus un, l'un à l'intérieur de l'autre, à chaque moment. Et il y a trop et dragon partagent un même cœur de Wakfu. Entre vous deux, le monde est recréé. Il renaît perpétuellement. Ne perdez pas cette connexion, n'abandonnez jamais votre lien. Salut. Moi, c'est Stook. Avant, j'étais un Eliacube, mais la vie est plus fun avec des bras. Ils disent que je parle trop, mais ce n'est pas vrai. Je ne parle jamais pour rien. Croyez-moi, je n'aime pas embêter les gens avec trop d'informations. Ma parole est d'or. En parlant de Scoop, vous saviez que le grand maître Kilby avait disparu? Il s'est passé quelque chose entre lui et le roi. Ah, ces hommes de pouvoir. Mais je radote. Filez. Très bien. Des bonbons, miam. Pourquoi est-ce que vous mangez tous mes bonbons? C'est pas pour les grands. Ok. Eliatrope et Dragon ne partagent pas le même corps, ni les mêmes capacités. Permutez vos positions est le seul moyen de coopérer efficacement. Restez toujours ensemble. Chibi disait « complémentarité et mère de vérité ». Très bien. Hop. Voilà la preuve de Wakfeng. J'espère que vous avez appris vos leçons. On commence avec le rat bleu. Ephrim, essaie de me toucher avec tes tirs. Ne t'inquiète pas, je suis bien trop rapide pour toi. Donc RT, ok, c'est ça. Haha, le moment que je préfère. Des enfants en pleine bagarre. Ne les abîmez pas trop, les gars. Tu parles d'une initiée. Viens donc goûter à la colère d'un vrai guerrier. Aïe, t'étais pas censé me battre si facilement. Qu'est-ce que mes frères vont penser maintenant? Allez, petite, montre-moi ce que tu peux encaisser. Pourquoi tant de haine? Je ne t'ai rien fait. Toutes les filles sont comme toi. Voyons si tu peux te débrouiller contre notre meilleur guerrier. Mon petit frère est trop timide pour frapper les filles, mais pas moi. LB... Ok. Je connais pas trop mes touches. Ok, t'as quelque chose de prévu pour ce soir? Ah d'accord, il est comme ça, le gars.
Bon, ça va, on a compris. Il va falloir faire avec. Allez trouver l'hôtel de la déesse. Et plus vite que ça. La déesse vous a choisi. Sa voix est un chant au-delà des voiles. Cet hôtel est son phare. Écoutez. Pour trouver ma demeure, passez les trois voiles. Charmez ce visage, buvez ces larmes, dénouez mes cheveux. Pour chaque voile, l'initié doit faire un don. Tout d'abord, la déesse demande une offrande pour son visage. Une plume issue du plumage d'un tofu bleu. Vous devez passer le premier voile le plus vite possible. Il y a tellement à faire, j'aimerais pouvoir vous en dire plus. Faites-moi confiance. Très bien. Est-ce que c'est par là? Non, je me trompe. Et on les trouve où, les plumes d'un tofu bleu? C'est la question que je me pose. Par là, peut-être. Ah, vous ne parlez pas couramment le tofu, voyons voir. Jouez à mon jeu et je vous donne une plume de tofu. Et pour les enfants... Et pour les enfants, vous savez. Ok, donc là, il nous faut Ephraim. Donc voyons voir. C'est chaud en fait. En fait, c'est vraiment compliqué. Parce qu'il faut réussir à placer correctement le viseur. La plupart des enfants font mieux que ça. Il faudrait peut-être essayer. Je vais relancer le jeu. Putain. Ça va, on y arrive un peu mieux là. J'ai le temps de prendre la main. Ah là, je dis bravo. Laissez-moi vous donner cette petite chose. La plume d'un tofu bleu. Très très rare, prenez-en bien soin. Merci monsieur. Donc on va ramener ça au niveau de l'hôtel de la déesse. La déesse demande une coupe pour les larmes qu'elle verse sur ce monde. L'écorce d'un arbre chanteur. Ok, en fait, faut tout récupérer d'un coup. Attendez, hop, on récupère. Les petits bonbons qu'il y a là, ça donne des points, je sais pas à quoi va servir le score, mais bon. Malgré ce que disent les autres, cette journée est magnifique. Venez par ici, venez jouer avec votre vieille amie, venez chanter la joie. Comme vous pouvez le voir, les artistes se cachent pour créer. Un jour, mes travaux linguistiques ils seront au rang des mytheliatropes. En attendant ce jour béni, pourriez-vous m'aider avec cette nouvelle composition?
Ah, ils ont une dégaine, les fleurs. Merci, mes amis, merci. Prenez cette écorce en cadeau, en souvenir de cette sublime mélodie. Je vais pouvoir continuer à chercher le ton parfait. Adieu. Nickel. Pour terminer, la déesse réclame un peigne pour ses cheveux. Une écaille d'argent provenant d'un poisson oracle. Oh, je l'avais pas vu. Il vient d'arriver, lui. Quand je ne pêche pas, je fais la sieste. Et je fais la sieste quand je ne pêche pas. Notre prophète Chibi était un pro de la sieste et un amoureux des poissons. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, les poissons ne dorment pas. Très bien. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Par là, peut-être? J'ai l'impression que c'est par là. Non, c'était pas ici. Par là, plus. J'arrive pas à savoir vers où c'est, en fait. En fait, il y a deux chemins. C'est pas celui-là. Si, c'est par ici, je crois. Ah non, pas du tout. Ça doit être l'autre. Ouais, par là. Oh oh oh. On me surnomme Oracle, mais je ne suis qu'une voix dans l'abîme. Je dois vous montrer quelque chose dans un endroit reculé, au-delà des dimensions. Une île dans le temps où votre destin n'est pas encore décidé. Je veux que vous compreniez comment changer le futur. Fermez les yeux. Là où passé, présent et futur se rejoignent, ici dans cette île, notre Wakfu sera bientôt asséché par une force inconnue, s'en nourrissant. Vous êtes notre seul espoir, notre dernière défense. En ce rêve, laissez-moi vous donner le pouvoir de vous battre. Nora peut invoquer le Wakfu. Toutes ces orbes là qu'ils ont laissées. Bien, bien. Si tout se passe comme prévu, nous serons sauvés. J'espère que nous serons capables de changer le futur. J'espère que nous réussirons. Il n'y a pas de temps à perdre. Vite, passez le premier voile. Obtenir l'écaille. Le Wakfu est un flot de beauté, noyant le monde. Le Wakfu est un moment éternel, un nœud suspendu dans une toile. La chevelure de la déesse forme une réalité, boucles et mèches entremêlées. Nous ne sommes qu'un secte pris au piège dans ses cheveux. Avec épris, ouais. Platypus, lève-toi. Vaillant Platypus, mets-toi en marche. Rapporte cette écaille de Wakfu. Ah ouais, il y a un platypus là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement en fait? Je comprends pas. À part ici. Non, pas par ici. Il est passé où le platypus que j'avais là? Mmh.
Ok, c'était pas du tout ça. Et des options, fais voir. Parce que là, je suis paumée. Non, c'est pas ça. Par où je peux passer en fait? Je comprends pas. Appuie sur RB. Attends. Bah, il est où le platypus? Donc, à moins app, t'es attendez. Voilà, c'est sur celui-là. Je comprends pas, attendez. Vas-y, dis-moi. Alors, appuyant sur RB, donc ouais. Le platypus, peut interagir avec des objets, gel et larmes de DS. Ah d'accord, je viens de comprendre, ok. Je comprends pas vraiment ce qu'il faut faire. Mince, j'appuie trop vite à chaque fois. Pour déplacer. Ephraim peut déplacer le platypus. Ah, d'accord. Ok, je viens de comprendre. C'est bon. Oh putain, j'ai regaléré, pardon. Excusez-moi de cette galère. Voilà. La fin nous revisite et s'installe pour des décennies. Vos mains, ces cadeaux, venez à moi, mes enfants. D'une plume, flattez ma peau. Laissez-moi boire dans à cette coupe. Que cette écaille démêle mes boucles. Mais nous ferons ça la prochaine fois, donc j'espère que ce premier épisode de Iceland of Wakfu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Pour les intéressés, vous avez tous les liens utiles en description, donc n'hésitez pas à checker. Et pour ceux qui aiment de me découvrir sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la cloche de notification. Et sur ce, c'était Miss Flamme, bye bye tout le monde.